Rebonjour tout le monde, rebonjour. Si vous venez de nous rejoindre, je vous rappelle que vous suivez Psycho-Saturday Haïti 2024, cet événement annuel qui nous est apporté par Data Driven Community. Cette année, nous réservons le thème haïtien dans la technologie de données et de l'intelligence artificielle. Nous prenons le temps pour remercier nos sponsors. Il s'agit de Microsoft et de SimpleTalk. Et chapeau pour Data Driven Community, la communauté axée sur les données qui, depuis déjà 4 ans, apporte à la communauté haïtienne ce surplus de connaissances pour contribuer à la formation de nos jeunes et nos vieux professionnels dans le domaine de la technologie. Et à notre organisateur principal, Jean-Daniel Joseph, l'homme caché derrière tout ça, derrière la technicité de tout ça, nous exprimons notre sincère gratitude. Et à nos speakers, ceux qui ont déjà présenté et ceux qui vont présenter dans l'après-midi, nous disons un grand merci et particulièrement à vous, chers participants, ceux qui nous suivent de près, de loin. Nous vous remercions, nous vous encourageons à inscrire votre nom dans le chat, à nous dire d'où vous nous suivez, à poser vos questions à nos chers speakers. Ils sont adorables dans leur présentation. Montrez-leur de la gratitude, montrez-leur de l'amour, montrez-leur de la reconnaissance pour leur effort de nous apporter des connaissances en plus. Et ne partez pas, restez jusqu'à la fin pour pouvoir participer à notre raffle. Donc, il y aura 4 primes en main pour ceux qui ont la patience de rester jusqu'à la fin pour augmenter votre chance de partir avec un des prix, donc une carte cadeau Amazon. Et là, nous enchaînons avec James Blomy Pascal Germany, et qui va nous parler en long et en large de ce thème, débloquer la puissance de Transact SQL en 60 minutes. Donc, James Blomy va passer 1 heure avec nous. Et James, à qui je dis bonjour, bienvenue, à qui je demande de se présenter, de partager son écran, de se présenter et de démarrer avec sa présentation. James, à vous, bon succès. D'accord. Merci Marianne. Marie-Annie, pardon. Donc, Oui. c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour présenter plus particulièrement, découvrir la puissance de SQL, parce que Transact SQL, c'est une extension de SQL. Donc, je vais partager mon écran. Donc, je ne sais pas si. Voilà. Est-ce que vous avez vu mon écran? Non, non, pas encore. Okay. Pas Ça encore, arrive. putain. En tout temps, prenons le temps de saluer les participants qui sont nouvellement arrivés pendant que vous faites la mise en place. James, D'accord. Oui. il y a Max Patrick Olivier Morin, Descailles, Woodley Antoine de Port-au-Prince, Abimaël Pierre d'Haïti, John Saint-Fort Junior Jasmin, Beauvoir Stanley, Mélien Wouldi-Pierre. Donc, à
tous ceux qui viennent de nous rejoindre, bienvenue. Et on attend d'autres participants pour rehausser le James, merci pour l'autre fois. Est-ce que ça a cliqué dans le présent? Oui, bien, on en bas écran là, on va pouvoir être présent. Présent. Cliquez là-dedans et puis on va pouvoir cher option. Et puis cliquez dans cher option. Il y a un signe plus. Oui. Et puis on va pouvoir en l'air marquer entire screen, cliquez sous lui. Oui. Partager l'écran. On va passer à temps de nous soit parler, ok? Partager l'écran et puis tout l'écran. Cliquez sous lui et on va pouvoir écran là en même temps. Oui. Et puis là où écran là, cliquez sous écran là. Et puis là, dit vous partagez encore. Oui, parce que je partage tout écran là. Moi. Comment perdre l'autorisation de capture d'écran? Ouais, écran là, paraît dans le fond. En fait, moi, j'ai trois onglets, onglet Chrome, onglet fenêtre et puis tout l'écran. Donc, moi, partager tout l'écran. Tout l'écran. Cliquez sur tout l'écran. Oui, il paraît. Vous attendez? Il paraît dans le temps. Maintenant, cliquez sur lit. Cliquez sur écran même. Oui. Et puis, partager apparaît en bas. Mon bon message de onglet en. Partage là. Pour parler en bas. Ou cliquer sur écran, l'OL, et puis partager apparaît en bas. Exactement, ça me fait. Toujours autorisé. Ah, ok. Ok, je l'ai autorisé. Oui. Présenter, partager l'écran. Okay. Tout l'écran? Oui, maintenant, ok. Maintenant. Voilà, là il est maintenant. Ok. Ok, vous voyez comme ça? Oui. Ok, bon. Excusez-moi pour le petit retard de connexion parce que Google Chrome m'a demandé de l'autorisation pour pouvoir partager mon écran. Ok. Donc, je suis Jeremy James. Donc, je suis CEO Jeremy SA et puis expert dans la data governance. Tout le plaisir est pour moi de présenter avec vous découvrir la puissance de SQL en utilisant la base de données AdventureOps comme démo de la base de données de Microsoft. Donc, comme sommaire, comme contenu de ma présentation, je propose de faire une petite introduction avec vous sur SQL et aussi sur les bases de données, l'installation et environnement de travail, la modélisation multidimensionnelle, les fondamentaux du langage SQL, les jointures, les fonctions les plus utilisées, la conception des bases de données, les fonctionnalités avancées et aussi les documentations. Donc, comment est-ce qu'on peut définir SQL? SQL, c'est un sigle qui signifie Structured Query Language. Donc, comme son nom l'indique, SQL, c'est un langage de programmation standardisé qui permet de gérer de manipuler des bases de données relationnelles. Cela veut dire des données qui ont des relations entre les tables.
Donc, dans quel cas qu'on utilise SQL? SQL est utilisé pour insérer, rechercher, mettre à jour, modifier et supprimer des données dans une base de données. Mais il faut que ce soit une base de données relationnelle. Donc, juste avant d'aller plus loin, donc je dois voir avec vous comment est-ce qu'on peut installer notre environnement de travail pour pouvoir utiliser SQL sur plusieurs systèmes de gestion de bases de données relationnelles. Donc, une personne qui est utilisateur de MacBook, eh bien, vous allez devoir installer Docker, qui est un container, et par la suite, faire l'installation de SQL Server 2022 Express Edition depuis le site de Microsoft Learn, pour ensuite soit installer SQL Server Management Studio, le SSMS, ou encore Microsoft Azure Data Studio. Moi, je priorise l'utilisation des outils de Microsoft. Et si vous êtes utilisateur de Windows, vous n'avez pas besoin d'installer Docker, le container. Vous pouvez tout simplement installer SQL Server 2022 Express Edition. Après installer SQL Server Management Studio ou bien Azure Data Studio. C'est l'un des deux. Et par la suite, vous allez devoir choisir lequel des entrepôts de données vous pouvez utiliser. Moi, j'utilise AdventureWorks 2022 DW. Donc, c'est une base de données de Microsoft. Une base de données qu'on peut utiliser pour les tests. Disponible sur le site de Microsoft. Donc, si on parle de SQL, on va quand même parler de la notion de modélisation multidimensionnelle. Donc, au niveau de la modélisation multidimensionnelle, nous avons deux grands points, deux grands contenus qui s'articulent autour des schémas, ce qu'on appelle les schémas en étoile qui est la forme d'une étoile. Donc, au centre de ce schéma, nous avons la table de fait qui est au niveau de la gravitation. Tout ce qui gravite autour de cette table de fait, eh bien, ce sont les tables de dimension. Donc, soit qu'on travaille dans le cadre d'un modèle en étoile, ça, il y a la forme d'une étoile, vous voyez, la modélisation multidimensionnelle, soit que vous pouvez être amené à travailler sur le schéma en flocon. Donc, dans le schéma en flocon, vous avez beaucoup plus de dépendance. Vous avez beaucoup plus de tables de dimension. Donc, entre le modèle en étoile et le modèle en flocon, la différence se réside dans la normalisation. Donc, dans le schéma en flocon, il y a de la normalisation et les tables de dimension se décomposent en sous-dimensions. Pourtant, dans les modèles en étoile, nous n'avons pas ce qu'on appelle la normalisation. Toutefois, eh bien, en termes de puissance, ça rend moins puisqu'il n'y a pas beaucoup de dépendance. Donc, très rapidement, nous allons voir les fondamentaux du langage SQL. Donc, comment est-ce qu'on peut structurer des syntaxes au niveau du SQL pour interroger des bases de données relationnelles. Donc, pour rappel, le langage de la programmation est anglais. Donc, quelle que soit la base de données que vous allez interroger, la première chose que vous allez faire, quand vous connaissez déjà les tables qui composent votre base de données, eh bien, vous allez faire ce qu'on appelle un select étoile form, dans le souci d'afficher toutes les lignes d'enregistrement qui concernent votre table. Donc, nous n'allons pas seulement tarder à vous présenter le volet théorique, je vais aussi faire de façon hybride, théorie et pratique, via des démos depuis mon environnement Microsoft Azure Data Studio. Donc, très rapidement, je vais dans Microsoft Azure Data Studio. Donc, là, c'est cet environnement-là que nous avons. L'environnement, ça, c'est l'environnement Microsoft Azure Data Studio. Pour rappel, nous pouvons utiliser soit SQL Server Management Studio, le SSMS, ou encore Microsoft Azure Data Studio. Donc, pourquoi est-ce que j'utilise Microsoft Azure Data Studio? C'est parce que en utilisant Microsoft Azure Data Studio, vous avez la capacité
d'avoir des aides. Une fois que vous tapez, par exemple, le début d'un nom qui compose votre table, eh bien, il va y avoir ce qu'on appelle des propositions. Et comme ça, vous allez pouvoir aller plus rapidement dans le cadre de votre écriture, de votre syntaxe. Donc, comme vous pouvez le voir, ici, nous sommes au niveau de la base de données AdventureWorks DW 2022 de Microsoft. Et à l'intérieur de cette base de données, nous avons les tables. Les tables, c'est comme s'il s'agissait des classeurs de fichiers Excel. Et à l'intérieur d'un classeur, il y a plusieurs colonnes. Donc, à l'intérieur d'une table, il va y avoir plusieurs colonnes qui composent une table de données. Et là, en ce qui a trait à une base de données relationnelle, nous avons plusieurs tables. Comme je viens de le voir avec vous, la notion de modélisation multidimensionnelle, nous avons les tables en deux dimensions. Et à l'intérieur de chaque table, nous allons avoir plusieurs colonnes qui composent les tables. Et nous avons aussi les tables de fait qui se trouvent tout en dessus. Donc, tout ça se trouve au niveau de la base de données thèse de Microsoft qui s'appelle AdventureWorks, que tout le monde peut y avoir accès. Donc, quand on veut interroger une base de données et qu'on ne sait pas vraiment quels sont les enregistrements qui vont apparaître, la première chose à faire pour tester la puissance de SQL, eh bien, il suffit de faire un select étoile from, et là, vous allez avoir l'affichage de toutes les lignes d'enregistrement qui composent votre table. Par exemple, ici, si je fais select étoile from dim customer, je veux afficher toutes les lignes qui composent la table client, la table dimension client, qu'on a appelé ici dim customer, eh bien, on fait run. Et en dessous, vous allez voir les lignes d'enregistrement, l'ensemble des données qui composent notre table. Et là, vous avez vu, donc, c'est vraiment puissant. C'est moins en une seconde seulement, vous avez la fiche de toutes les colonnes qui composent la table client. D'accord? Vous avez les adresses, et occupation française, tout ça. Vous avez leur nom, vous avez leur prénom, vous avez leur date de naissance, leur statut marital, tout ça. Donc, tout ça en un clin d'œil. Donc, je retourne au niveau de la présentation. Donc, le select étoile from pour faire afficher l'ensemble de toutes les lignes d'enregistrement qui composent notre table. Le mot-clé group by, comme si pour grouper les données. Order by pour trier. Le where, c'est pour faire des précisions. Le having aussi, c'est aussi pour trier, mais la seule différence, trier en présence des fonctions d'agrégation. Et les limites, par exemple, ici, quand vous voyez la notion de limite qui apparaît, ou du moins, la notion de top aussi qui apparaît. Si, par exemple, j'ai une table qui a beaucoup de lignes d'enregistrement, par exemple, ici, si je vais tout en bas, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir que cette table-là, il y a à peu près 18 484 lignes qui composent cette table. Ça peut arriver que je ne suis pas intéressé à faire afficher l'ensemble de toutes les lignes. Je peux le réduire, soit en utilisant limite comme mot-clé, ou du moins soit en utilisant un top 50, par exemple. Ici, je lui ai dit de m'afficher les 54 premières lignes seulement. Au lieu de m'afficher les 18 484 lignes qui composent ma table, eh bien, affichez-moi les 50 premières lignes qui composent la table Dim Customer. Et si là, je fais run, j'exécute, et vous voyez ici, donc ça s'est arrêté aux 50 premières lignes qui composent ma table de données. Donc, la présentation va se faire de façon hybride à mesure que je continue, à mesure que j'aborde certaines thématiques. Donc, de notre côté, je vais vous présenter la démo qui marche avec. Donc, normalement, si je vous parle de SQL, je vous parle de base de données relationnelles, par quel moyen on peut bien comprendre les diverses relations qui existent entre les tables, par exemple? Eh bien, comme vous l'avez vu en mathématiques, nous avions le concept théorie des ensembles. Eh bien, la théorie des ensembles, vue en mathématiques, que ce soit en classe de 7e année fondamentale, ou du moins en réto et philo, par exemple, d'analyse combinatoire, eh bien, la théorie des ensembles va nous permettre de bien comprendre les différentes liaisons qu'il y a entre les tables. Cela veut dire, on peut avoir plusieurs types de liaisons entre les tables. Ici, au lieu d'avoir le A inter B que nous avons l'habitude de voir à l'école, eh bien ici, on va avoir table A inter table B. Donc,
Au niveau de la partie qui est assurée en rouge, ici on peut voir l'ensemble de tous les enregistrements qui sont à la fois présents au niveau de la table A et à la fois présents au niveau de la table B. Et au niveau de A et tiers B plus tous les éléments se trouvant dans B sauf A, eh bien, tout ça que nous avons vu dans le cadre de nos cours, eh bien, nous ne faisons que l'appliquer dans le cadre de la base de données relationnelle. Et n'oubliez pas, le langage de la programmation est anglais. Et si vous allez en dessous, si on veut faire afficher l'ensemble de tous les enregistrements qui concernent deux tables, eh bien, on va falloir utiliser ce qu'on appelle le full outer join. Et si on veut afficher l'ensemble de tous les enregistrements qui concernent deux tables, qu'on peut appeler table A et table B, sans l'intersection, eh bien, on va utiliser ce qu'on appelle le full outer join. Join veut dire jointure. Comme ici, le plus utilisé, c'est le inner join qui est le plus utilisé. D'accord? Donc, je vais voir si j'ai un cas pratique en termes de démonstration. Ça vous aidera à mieux comprendre la notion de jointure. Voilà. Par exemple, ici, au niveau de la table DIM product, la table de dimension produit, j'ai fait un select. Je lui ai demandé de m'afficher la colonne clé produit, la colonne English product name, et aussi de faire une concaténation, parce que la concaténation permet de fusionner, permet de coller tout ça. Depuis la table DIM product, ici, j'ai utilisé un alias qu'on appelle P. Cela veut dire, au lieu d'utiliser DIM product, au lieu d'écrire DIM product à chaque fois, donc une fois que j'écris P, eh bien, SQL va comprendre ce que je veux faire. Ici, on a une jointure. Une jointure qui se fait avec la table DIM product subcatégorie. Cette jointure se fait sur cette table P-là. Et j'ai recherché ce qu'on appelle une clé primaire. Au niveau de la table DIM product que j'ai mis comme alias P, et de faire l'égalité, d'aller également chercher la liaison aussi avec la clé primaire product subcatégorie qui se trouvant au niveau de la table DIM product subcatégorie. Ici, il y a une liaison. Mais là, il y a plusieurs liaisons, mais on y reviendra là-dessus. C'était juste pour illustrer. Donc, en SQL, nous utilisons beaucoup les notions de fonction. Dès qu'on parle de fonction, on fait allusion aux fonctions d'agrégation. Donc, sur Excel, par exemple, si vous avez l'habitude d'utiliser des fonctions somme, vous imaginez si vous avez 100 lignes, 200, 300 lignes d'enregistrement, ça peut passer. Mais sur SQL, ça peut arriver que vous travaillerez sur 2 millions de lignes d'enregistrement. Sur 1 million de lignes, sur 100 000 lignes d'enregistrement, sur 500 000 lignes, eh bien, la puissance de SQL, en utilisant la fonction d'agrégation somme, entre parenthèses, ça nous permet de calculer la somme de l'ensemble de résultats. Si vous utilisez la fonction max pour obtenir le résultat maximum, la fonction min pour le résultat minimum, AVG, c'est l'abréviation d'average, en anglais qui signifie moyenne, pour calculer la moyenne. Et tout ça, c'est seulement deux lignes de code. La fonction K1 pour compter le nombre de lignes dans un résultat. On peut arrondir aussi avec la fonction round. On peut afficher une chaîne de caractères en majuscule en utilisant le hopper. Le larreur pour afficher une chaîne en minuscule. Si on veut connaître la date actuelle, si on n'a pas de montre, on n'a pas de téléphone, et on a tout simplement accès à une base de données, que ce soit en local ou du moins dans le cloud, on peut tout simplement utiliser la fonction now pour afficher la date et heure actuelle. On peut utiliser la fonction rend aussi pour retourner un nombre aléatoire. La fonction concat qu'on vient de voir pour concaténer des chaînes de caractères. Ça peut arriver dans une base de données, vous avez nom, prénom et puis un autre nom. Vous voulez tout simplement afficher nom et prénom, eh bien vous allez utiliser la concaténation. Donc, si vous voulez savoir la date actuelle, vous allez utiliser écrire un date. Et la date diff, la fonction date diff permet de déterminer l'intervalle entre deux dates spécifiées. Date de fin et puis date de début.
Donc, tout ça, nous allons faire un petit démo. Ça s'accompagne toujours d'un petit démo pour essayer, en espérant que vous compreniez un petit peu. Par exemple, ici, tout à l'heure, on vient de parler des sommes. Par exemple, ici, au niveau de la table Finance, qui se trouve ici, là, voici la table, qui est une table de fait, qui s'appelle FAC Finance. Et à l'intérieur de cette table-là, nous avons beaucoup de colonnes. Voici le nom des colonnes, les noms des colonnes qui composent la table FAC Finance. Et je voudrais tout simplement calculer la somme au niveau de cette table-là. Mais je voudrais également grouper cette somme-là par année. C'est pourquoi j'ai mis un left qui va compter pour moi tout simplement la partie de gauche, left. Et je lui ai dit de s'arrêter à partir de 4 caractères seulement. Ça veut dire les années, c'est seulement 4 caractères. En 2022, par exemple, de 2022, c'est seulement 4 caractères. Je lui ai dit, au niveau de la table FAC Finance, qui se compose de ces colonnes que vous voyez là, je lui ai demandé de sélectionner pour moi la colonne Dat Key et d'afficher uniquement de la gauche vers la droite les 4 premiers caractères. Et je vais appeler cette colonne-là « Année » parce que je l'ai transformée. Ensuite, comme deuxième colonne qui doit être affichée, d'afficher pour moi le montant, la somme des montants globaux, okay, que nous voyons ici, que j'appelle le montant total. Tout ça va venir au niveau de FAC Finance. Je vais demander de grouper pour moi par année et de trier aussi à partir des années qui sont le plus récent. C'est pourquoi j'ai mis un tri ASC. Et là, par exemple, si vous étiez en présence d'un fichier Excel, vous allez prendre beaucoup plus de temps pour afficher les résultats. Eh bien, SQL est tellement puissant, avec seulement 4 lignes de code, vous allez appuyer sur exécuter run et vous avez tout ce qu'il vous faut. Vous avez le montant total qui correspond à la somme de la colonne Amaret. Nous avons également la colonne Date que j'avais appelée Année. Je l'ai utilisée comme alias, tout ça provenant de FAC Finance. Je lui ai demandé de trier pour moi sur Année. C'est pourquoi on a trié par année. Au niveau de cette table, il y avait des données sur 4 années, 2010, 2011, 2012, 2013. Et je lui ai dit de trier selon ASC, cela veut dire du plus petit au plus grand. C'est pourquoi ça a commencé du plus petit au plus grand. Ça, c'était un exemple qui contient une fonction d'agrégation comme la fonction somme. Donc, ça peut arriver au niveau du monde professionnel. Vous voulez faire afficher quels sont les types de données par colonne. Eh bien, si vous utilisez cette syntaxe vous permet d'afficher les types de données par colonne. Pourquoi? Il est très, très important de maîtriser les types de données par colonne. Parce que si vous allez calculer des indicateurs et vous ne maîtrisez pas les formats de vos colonnes, vous allez éprouver beaucoup de difficultés. Tout à l'heure, je viens de voir avec vous la notion de date diff, par exemple, qui permet de déterminer l'intervalle entre deux dates spécifiées, date de fin et date de début. Si parmi ces deux dates-là, il y a une date qui n'est pas de format date, eh bien, vous n'allez pas pouvoir calculer cet indicateur, qu'on pourrait appeler délai, par exemple. Par exemple, comme indicateur, pour la direction de l'immigration en Haïti, date de demande de passeport, et date d'obtention de passeport. Et bien, si vous avez la colonne date de demande de passeport pour la direction de l'immigration et l'immigration et la date d'obtention de passeport, et bien, si vous calculez le délai moyen d'obtention de passeport, vous allez faire la différence entre la date d'obtention de passeport et la date
de demande de passeport. Et vous pouvez calculer la moyenne aussi de ce délai-là. Bon, ça, c'était une petite parenthèse. Je retourne à la présentation. Je dois maîtriser l'heure aussi. Donc, SQL n'interroge pas seulement des serveurs ou du moins des bases de données, que ce soit en local ou du moins dans le cloud. Avec SQL aussi, on peut faire la conception de votre propre base de données relationnelle. Donc, j'ai fait un petit rappel sur les clés primaires pour identifier de façon unique chaque enregistrement d'une table. Les clés étrangères qui permettent de mettre en relation les différentes tables dans une base de données. La notion de contrainte d'unicité. Et aussi quelques syntaxes que vous pouvez utiliser dès que vous voulez faire ce qu'on appelle la conception d'une base de données relationnelle. Pour rappel, le langage de la programmation est anglais. Si vous voulez créer une table, il suffit de faire « create table » et vous ajoutez le nom de votre table, eh bien, votre table est déjà créée. Nous avons également des syntaxes comme « alter table » pour modifier une table existante. Nous avons également « update table » set pour modifier les valeurs au sein d'une table. Là, j'ai mis une certaine condition, parce que pour modifier les valeurs sur une table, pour rappel, la table est composée de plusieurs colonnes. Et nous avons aussi le insert into aussi, qui permet d'insérer des valeurs, des données dans une table. Cela veut dire que ça peut arriver que vous insérez des valeurs au niveau de la table. Ça peut arriver aussi que vous insérez des valeurs au niveau d'une colonne appartenant à une table. Et la notion de drop table, drop database, pour supprimer totalement une table. Donc, très rapidement, je vais passer en démonstration avec notre outil Microsoft Azure Data Studio pour essayer de bien comprendre ce que nous faisons là. Donc là, j'ai cette vue-là qui est bien requête base de données relationnelle. Donc, dans le cadre de cette présentation, je vais aborder avec vous la notion de création de base de données relationnelles en seulement 12 requêtes. Mais 12 requêtes, c'est tout dépendamment de ce que vous souhaiteriez faire. Donc, pour créer une base de données, là, je parle pour créer votre propre base de données, vous écrivez tout simplement « Create database » et ici, là, vous mettez seulement le nom de votre base de données. Vous pouvez mettre « Create database » SQL Saturday 80 2024. Mais il faut que ce soit tout attaché. Il ne faut pas qu'il y ait ce qu'on appelle des espaces. Il faut que ce soit tout attaché. Là, c'est si dans notre environnement, nous avons plusieurs bases de données, on peut utiliser le use pour spécifier laquelle des bases de données qu'on veut travailler dessus. Et là, n'oubliez pas la structure d'une table est composée de lignes de colonnes, et dans chaque colonne, nous avons les variables, les attributs. Donc, create table, et ici, vous mettez le nom de votre table, vous ouvrez une parenthèse, et vous mettez les colonnes, selon vous, qui pourraient constituer votre table de données. Et là, la notion de clé primaire, ça, c'est très, très important. Très, très important, parce que ça a une parfaite corrélation avec la notion de contrainte d'unicité. La notion d'identificateur unique, sinon ça ne va pas marcher. La notion de clé étrangère, c'est vraiment très, très important aussi, ce qui permet de faire la liaison avec les tables. Et là, j'ai mis aussi la notion d'index, et ça peut arriver que vous faites face à ce qu'on appelle des problèmes de puissance, par exemple. Si votre délai d'exécution c'est vraiment très, 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 très grand. Si vous lancez une requête et vous prenez, par exemple, 5 minutes, 10 minutes pour que ce soit affiché, vous pouvez passer par l'indexation. L'indexation, c'est une structure de données et entretenue par le SGBDR en question qui va vous permettre de trouver rapidement les données sur le nom de la colonne indiquée. Et là, c'est tout ce que nous venons de voir, la notion d'insertion de données. Et là, par exemple, là, c'est juste un petit exemple d'application. D'accord? Comment créer, utiliser une base de données, création de la table. Si on veut créer une table étudiant, dans cette table-là, quelles sont les colonnes qui vont constituer votre table étudiant?
Donc, on va avoir ce qu'on appelle une colonne identification unique, ID étudiant. On va avoir le nom de l'étudiant. Et là, je lui ai demandé tout simplement de ne pas dépasser 50 caractères pour le nom de l'étudiant, prénom de l'étudiant, de ne pas dépasser 50 caractères aussi, ce sera sous la forme de varchar. Et on peut ajouter la date de naissance, on peut ajouter toute autre colonne que vous jugerez nécessaire. Donc, on peut avoir aussi une table aussi qu'on pourrait appeler une table professeur, par exemple, avec ces éléments-là qui constituent, par exemple, la table. Et la commande Insert Into nous permet d'ajouter, d'insérer de nouvelles données dans une table, par exemple, que ce soit la table professeur, ou du moins comment insérer de nouvelles données. D'accord? On va utiliser Insert Into et puis Value. Là, je poursuis. Je vais donner l'heure aussi. S'il n'y a pas de questions, donc je prends les questions à la fin. Donc, en matière de base de données relationnelles, nous avons aussi des fonctionnalités très, très avancées. Ce sont ces fonctionnalités-là qui font l'objet, par exemple, d'évaluation. Si vous allez travailler comme data manager, comme consultant data governance, ou du moins data analyst, et vous allez passer un entretien sur SQL, et bien très souvent, ces entretiens-là se basent sur les jointures que nous venons de voir, sur les sous-requêtes. Une sous-requête, c'est une requête dans lui-même. Requête dans la requête. Donc, j'ai un exemple de sous-requête. Par exemple, ici, on voulait utiliser quelques sous-requêtes, par exemple. D'accord? À partir de la partie 3, sous-requête d'une closeware. Au niveau de cette base de données, je voudrais, par exemple, trouver tous les clients dont le montant total des ventes est supérieur à la moyenne. Rappelez-vous tout à l'heure, je vous ai donné la différence qu'il y a entre la clause WHERE et la clause HAVING. La clause HAVING est souvent utilisée quand on est en présence d'une fonction d'agrégation et la fonction SOM, c'est une fonction d'agrégation. Donc, pour trouver tous les clients dont le montant total des ventes est supérieur à la moyenne, donc, voici la condition ici. Le montant total des ventes, c'est sum sales amount, est supérieur à la moyenne. La moyenne, rappelez-vous, au niveau des fonctions, j'avais vu avec vous l'AVG, qui est l'abrégé de average, parce que le langage de la programmation est anglais. Donc, AVG, average, donc de calculer la moyenne de tous ces montants de ventes qui provient de la table FAC Internet Sales. Qu'est-ce que vous avez remarqué? Nous avons une première requête avec le select form ici. Nous avons cette closeware et à l'intérieur de cette closeware que vous voyez là, nous avons aussi une autre select. Donc, c'est comme si nous avons des selects à l'intérieur de plusieurs selects. Eh bien, ça, c'est l'explication des sous-requêtes. C'est une requête dans lui-même. C'est comme un endomorphisme en algèbre. Voilà. Et ça, c'est un exemple de sous-requête. J'ai un autre exemple aussi de sous-requête que vous pouvez voir. Si, par exemple, au niveau de cette base de données, on voulait voir, par exemple, ah, j'ai pas exécuté. Ouais, je vais l'exécuter. J'ai sélectionné. Après, j'ai fait run. Vous voyez? Là, il m'a donné le nom de tous les clients dont le montant total de leur vente est supérieur à la moyenne. Voici le nom de famille du client. Voici le nom de famille. Le nom de famille, c'est last name, pardon. Voici le prénom du client et voici l'ID du client. D'accord? L'identificateur unique. Donc, un autre cas où l'on peut utiliser des sous-requêtes, c'était par rapport à cette base de données relationnelle, la base AdventureWorks de Microsoft. On pourrait vous demander, par exemple, de trouver pour nous le nombre de commandes pour chaque client. À partir, là, nous avons une sous-requête qui est présente dans une clause form. Donc, pour déterminer le nombre de commandes pour chaque client,
Tout d'abord, je sélectionne la clé client qui identifie comme clé primaire, le prénom du client, le nom de famille du client et le nombre de la commande que je pourrais appeler par exemple le 40 étoiles qui permet d'afficher la quantité de nombre de lignes d'enregistrement. Là, j'ai mis une alias que j'appelle order 40, c'est pour compter la commande. Eh bien, tout ça là provient de cette table qu'on appelle la table DIM Customer, qui est une table de dimension client. Et ces résultats-là, je l'ai appelé comme ça. J'appelle ça C. C, c'est l'alias de DIM Customer. Au lieu d'écrire la structure table.colonne, eh bien, une fois que j'avais utilisé un alias, je ne suis pas obligé d'écrire à chaque fois DIM Customer. J'écris tout simplement C. Et comme ça, c'est comme si j'avais écrit DIM Customer. Et là, je fais une jointure. Le Inner Join, c'est une jointure à la fois présent dans la table FAQ Internet Sales et à la fois présent dans la table DIM Customer par le biais de la clé primaire qu'on appelle les Customer Key. Customer Key, c'est une colonne qui est présente à la fois dans la table FAQ Internet Sales et aussi dans la table et la table DIM Customer. Pardon. Si vous avez des questions. Voilà. Et tout ça, moi, j'aime grouper. Si je voudrais grouper ça par l'ID client, le nom, le prénom du client, le prénom d'abord et ensuite le nom de famille du client, eh bien, je l'ai comme ça. Voilà. Vous allez découvrir avec moi, vous êtes en train de découvrir avec moi la puissance de SQL. Vous voyez, j'ai cliqué et j'ai tout mon résultat en moins d'une seconde. C'est vraiment puissant. Est-ce que vous voyez? Donc, en moins d'une seconde, j'ai à peu près combien de lignes d'enregistrement qui s'affichent? En moins d'une seconde, j'ai plus de 18 484 lignes qui s'affichent. Donc, ça témoigne la puissance de SQL. Bon, là, c'est des exemples qui ont été utilisés dans le cadre des sous-requêtes aussi. Par exemple, ça peut arriver que je veux chercher toutes les commandes qui concernent un client spécifique. Cela veut dire que c'est un client qui a pour nom de famille Smith. Donc, là, j'ai fait un select étoile from au niveau de la table FAQ Internet Sales. Je lui ai dit quand la clé primaire se trouve dans la sélection de toutes les clés provenant de la table DIM Customer, à quelle condition que le nom de famille de ce client s'appelle Smith. Je pourrais mettre égal à Smith, je pourrais utiliser like aussi pour dire si son nom de famille commence par S, si ça se termine par S, s'il y a S au niveau de son nom de famille, au niveau du constitutif de son nom de famille. Et là, j'exécute la requête et en moins d'une seconde. En moins d'une seconde, vous voyez ici là, en moins d'une seconde, j'ai l'ensemble des résultats. Est-ce que vous voyez? Là, je vais faire afficher pour vous. Voilà, je n'ai pas la colonne nom et prénom, mais ce n'est pas grave. Parce que j'avais fait un select étoile tout simplement. OK. Voilà. OK. J'avais fait tout simplement un select étoile. Donc, ça a affiché toutes les lignes qui composent la table FAQ Internet Sales, quand, par exemple, ou, le where veut dire ou en français, en créole, côté que, customer qui en lui-même, liant dedans sélection toutes clients qui sortent dans la table d'un customer, côté que, non famille moun ça, non famille client ça, l'irrelé Smith. Voilà. Donc, ça, c'était les sous-requêtes qui sont très, très utilisés dans les entretiens d'embauche. Si vous allez avoir un entretien d'embauche sur SQL, eh bien, il faut maîtriser les requêtes. Vous avez également les fonctions de fenêtrage, les notions de over partition by, je ne pense pas que j'ai eu des exemples. Nous avons également la notion de common table expressions. C'est si, par exemple, notre délai d'exécution est trop grand et vous voulez, par exemple, réduire vos délais d'exécution parce que certaines fois, vous n'êtes pas le seul à être connecté à une base de données relationnelles, vous êtes plusieurs. Donc, dans ce cas, c'est
comme si vous allez passer par une sous-requête, mais ce n'est pas une sous-requête. C'est comme si, par exemple, si on vous demande de sélectionner l'ensemble des bébés haïtiens qui sont nés, par exemple, dans le département de l'Ouest, alors que vous avez une base de données où il y a tous les départements du pays. Donc, vous pouvez vous dire, parmi l'ensemble, parmi les bébés qui sont nés au niveau dans le département de l'Ouest, lequel d'entre eux, par exemple, ont été nés en quelle année? Donc, un petit exemple à l'appui. Je vais toujours dans Microsoft Azure, ça veut dire Azure Data Studio, et je vais dans l'onglet CTE, qui est le Common Table Expression. CTE, c'est très, très important à maîtriser. Si vous allez passer des entretiens, on peut avoir un exercice qui se base sur les CTE. Donc, ça, c'est un exemple de requête pour récupérer les ventes mensuelles pour un produit spécifique. Ça veut dire, je voulais récupérer les ventes mensuelles pour un produit spécifique, ça veut dire pour un produit qui s'appelle, par exemple, TI-M602. Donc, la structure d'une syntaxe CTE commence toujours avec le mot-clé WIF. Avec ventes mensuelles, que je désigne avec cet alias-là que vous voyez, vous voyez, et ma parenthèse de début et ma parenthèse de fin, je lui ai dit de sélectionner pour moi toutes ces colonnes-là que vous voyez, provenant de quelle table? De la table FAC Internet Sales, en faisant une jointure avec la table DIM Product, en faisant aussi une autre jointure aussi avec la table DIM Date, ou par exemple, mon produit alterné, la clé de mon produit alterné est égale à TI-M602. Et moi, j'aime les regroupements, par exemple, groupés par cette clé-là. Je peux aussi grouper aussi par moi aussi, et aussi par l'année aussi. Vous voyez le year là, ça va m'afficher l'année, parce que ça peut arriver au niveau de la colonne. Vous avez année, vous avez mois, jour, et vous avez heure, minute, seconde. Eh bien, year permet d'afficher uniquement l'année. Et à partir de cette select-là, à partir de cette sous-requête-là, c'est comme si je dis parmi ça, parmi cette sous-requête-là, eh bien, sélectionne-moi ça qui provient de cette table-là et les trier pour ça, et de les trier par année-mois. D'accord? Donc, on utilise le Common Table Expression pour faire face à des problèmes de délai d'exécution. Ça, des fois, si vous lancez des requêtes qui font ramer, vous allez embêter les autres utilisateurs de la base de données. Et là, j'appuie sur exécuter et vous voyez, en moins d'une seconde, j'ai 715 lignes d'enregistrement pour lesquelles j'ai récupéré toutes les ventes mensuelles pour le produit qui s'appelle TI-M602. Est-ce qu'au niveau du résultat de ma requête, vous avez vu tout ça? Voilà. OK? Voilà. Donc, OK, tout en respectant l'heure. Donc, là, je viens de parler de Common Table Expressions. Les procédures stockées, on ne va pas trop rester dessus. La gestion des droits d'accès, on ne va pas trop rester dessus. Donc, en termes de documentation, donc, j'ai utilisé le site learnsql.fr et surtout, comme documentation de référence, allez surtout sur le site Microsoft Learn. Nous avons de très bonnes documentations sur le langage SQL. J'ai aussi utilisé aussi sql.sh. Je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions et réponses, c'est le moment de les poser.
majestueuse. Et une question, c'est de savoir, est-ce qu'on peut importer des données d'Excel sur SQL? Oui, bien sûr. Oui, on peut importer des données d'Excel sur SQL depuis Task, depuis la vue Task. Depuis Task. Oui. OK, merci. Et aussi, il y a aussi une vidéo qui est disponible en ligne. J'ai déjà reçu cette question. Mais c'est en anglais, par contre. Je l'avais préparé. Je pourrais donner la référence. Bon. Oui, en fait, le nom de la vidéo qui explique comment importer des données d'Excel à SQL Server, par exemple, eh bien, le titre, c'est « How to import data from Microsoft Excel into Microsoft SQL Server ». Donc, c'est sur YouTube. Donc, vous allez voir. Mais c'est en anglais. Il explique les démarches à suivre. Autre question. Okay. Merci beaucoup. Autre question. Oui, une autre question. Au niveau des jointures SQL, dans quel contexte on utilise right ou left join? Donc, normalement, ça dépend des liaisons. Je vais retourner au niveau des jointures. Dans quel contexte on utilise les left join? Donc, comme l'a si bien dit, left join, cela veut dire jointure à gauche. Donc, ça peut arriver que vous avez deux tables. Le left join est très, très utilisé sur le marché du travail. Donc, c'est une jointure que moi, personnellement, j'utilise beaucoup. Donc, ici, supposons que vous avez deux tables. La table A, vous voyez mon curseur, et aussi la table B. Ça peut arriver que vous voulez afficher toutes les lignes d'enregistrement de la table A plus les instruments se trouvent au niveau de la table A et qui sont également présents au niveau de la table B, sans pour autant d'afficher les lignes de B qui ne sont pas dans A. Voici dans quel contexte on peut utiliser le left join. C'est left join, jointure à gauche. Et là aussi, j'ai mis les syntaxes aussi, comment structurer les syntaxes, parce que normalement, si on ne fait pas de la pratique, vous n'allez pas pouvoir vous sortir. Si vous n'avez pas les compétences métiers aussi, pour maîtriser le contenu des bases de données, vous n'allez pas réussir. Il faut avoir des compétences métiers pour exceller en utilisation du SQL. OK, merci. Bien sûr, bon, peut-être des exemples de jointures que je pourrais utiliser, mais bon, s'il y a d'autres questions... Pas encore. Pas des exemples de jointure sur cette base de données-là. Voilà. Ou bien vous n'avez pas compris, ou bien. Non, c'est. Ouais. On a peut-être tout compris. Ça a été très explicite. Oui. On espère que tout le monde a compris, c'est pourquoi oui. Pas de questions ou pas beaucoup de questions. Okay. Si je vais dans YouTube. OK, donc plus de questions apparemment, mais je dis aux participants, s'il y a quelques questions tardives, vous pouvez quand même les poser dans le chat et on va vous répondre un peu plus tard. Merci beaucoup. OK, donc je dis un grand merci à nos sponsors. Donc notre plus grand sponsor, c'est Microsoft, comme vous le voyez. Nous disons aussi merci à SimpleTalk, merci à Data Driven Community et merci aussi à ma micro-entreprise, Jeremy S.A. Et merci aussi à cette grande école de formation basée en Haïti qui s'appelle Data Solution Group.
Donc, tout le plaisir était pour moi. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et comme ça, je saurai comment vous répondre. Je vous remercie. Bon courage à vous pour la suite. Merci beaucoup, James Germini. Je rappelle qu'il vient de présenter un sujet, débloquer la puissance de Transact SQL en 60 minutes. Une présentation qui a été vraiment, vraiment enrichissante et à telle enseigne, pas beaucoup de questions sur le thème. Ça veut dire que tout le monde a compris, en tout cas, du moins c'est essentiel. Et James, ça a été un vrai plaisir de vous avoir avec nous dans cet événement aujourd'hui. J'espère que ce n'est pas une dernière participation. D'accord. Puisque chaque année, c'est notre rendez-vous pour permettre à la communauté haïtienne et particulièrement aux professionnels évoluant dans le domaine de la technologie de tirer parti des aînés ou des personnes, des professionnels et un peu plus d'expérience. Donc, vraiment merci, James. Et à la prochaine. Ça a été une super présentation. D'accord. Merci, Marianne. À la prochaine.